Je sais pas ce que c'est, mais... Bon, allez! On est parti! Alors, putain, départ à l'embrayage. Bon, putain, ça fait longtemps que j'ai pas pris de départ à l'embrayage. Bah, surtout avec cette bagnole. Bien sûr! Putain, elle fait un beau bruit, hein! Militaire! À vos ordres! Green, green, green. Bon, c'est pas le plus beau départ de ma vie. Left side, clear. Left side. Still there. Clear. Bon, c'est pas le plus beau départ de ma vie, mais on est vivant. Car on. Clear on the right. Car on. Clear on the right. Fouf. Bon, la bagnole, premier tour, les gars, c'est... Oh là, ouais, c'est chaud, là. On va y aller tranquille dans ce virage. Ah ouais, putain. On a failli crever. Ah mais l'autre derrière, il fait un freinage. Oh, c'était chaud, hein. Ouf, putain, la bagnole, elle s'est mise à dériver du cul, là. On est vivant, on est vivant. Ah, il est bien. Bah, je suis pas un grand fan, mais c'est vrai que c'est un beau circuit quand même. Ah bah ça. Ouais, c'est fixé. Putain, il a une... Ouais, non, j'allais dire il a une aspi derrière, mais non, il a pas grand chose. Bah, allez, on va essayer de se focus. Je pense qu'il y a moyen de la gagner. Faut juste qu'on trouve le rythme. Que la voiture arrête de dériver du cul sans raison. Ah, tranquille, tranquille. Je pense que Mimura devant, il est bon. Hein. Mimosa, là. Juste que j'arrive à le suivre. Et je pense qu'on va pouvoir revenir sur Clint Eastwood. Enfin, en espérant qu'on puisse revenir sur Clint Eastwood. Par contre, en vitesse, j'ai l'impression que je suis lent. Ouais, en vitesse, j'ai l'impression que je suis super lent. Mais meilleur temps. Alors attention aux vibreurs hein, sur ce circuit. Hein. Vraiment les vibreurs c'est... Il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat tout à l'heure, mais c'est vrai que les vibreurs sur ce circuit c'est quelque chose.
Là, ça roule devant. Je pense que ça va être chaud, hein. Là je suis en train d'analyser un peu la course, ça va être chaud de rattraper Satoru, mais je pense qu'il va, s'il bloque sur Eastwood, on peut revenir. Je pense que, ouais, je pense qu'il va revenir. Putain, mais en ligne droite je me trouve lent quoi, c'est incroyable. En fixette ou regardez derrière comme il... Ouais, c'est bizarre. Oh, ça roule, hein. 52, ouais, ouais, ouais. Ouais, Yves. Un petit live de l'après-midi, Yves. Un petit live de l'après-midi. Comme j'ai dit, c'est assez calme cette semaine en coaching, donc... Bon, j'ai fait du vélo hier, j'en ai fait lundi. Bon, on va pas en faire tous les jours non plus. Qu'est-ce qu'il fait? Stay on the left. Clear on the right. Pas compris. Ouais, Lolo. Ouais, Pierre. Ouais, j'ai pas de vitesse de pointe, hein. Incroyable ça. Ah, la seule sortie où il fallait pas louper, je me suis loupé. Ouais, trivial. Ouais, Lucas. Ouais, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Après, il est chez lui, hein. Ouais, je l'ai fait déjà, Loïc, je l'ai fait. Je la mettrai en ligne ce soir, la course. J'ai fait P8 d'un gros split. Bon, gros split. 4000 de soft, quasiment. Plutôt pas mal. Il est plus agressif que moi devant. Sur les vibreurs, tout ça, il y va un peu plus. Ah, Clint Eastwood, à mon avis, il a un western à tourner après parce qu'il est chaud. Ah, bah bon courage. Hein. Par contre, j'ai pas d'aspi, moi. Ça, moi, je comprends pas comment ça se fait que je n'ai pas d'aspi. J'ai rien, hein. Pas un dixième.
Il y a des noms de code, il y a des noms de code. Oh putain, ouais, il est chaud, Innswood, là. Ouh là. Un petit pronostic, et où est-ce que vous pensez qu'on va le bouffer là? Oui ou non? Ouais, fixed, Tanguy, salut à toi. Ah putain! On n'a pas de pissos. La baisse, ça va, Roya. Oui, la famille, ça va. Et les enfants, Imhotep, Imhotep. Imhotep. Putain, mais ils roulent hein, devant, c'est des experts. Putain, c'est des experts les mecs, c'est des experts. C'est choquant qu'il n'y ait pas d'aspi quand même. À 8 dixièmes, t'as rien, c'est un peu. C'est un peu choquant. Bon, il n'y a que nous quatre qui nous battons, mais derrière c'est parti. Après, comme je dis souvent, ne regardez pas l'e-rating. Hein. Certains, ils roulent que dans cette catégorie, ou presque. Donc l'e-rating, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Il y a peut-être qu'ils sont en train de te dire, ouais, derrière 2006, ouais, il n'y a pas de niveau. Donc, croyez-moi, certains, c'est des experts de la catégorie. On a le premier tour d'entraînement qu'on a fait, c'est la qualif, donc. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ça serait bien que Eastwood il fasse. Oh putain, il y a encore Alper Ball là qui attend. Enculé là. C'est lui qui nous a bloqué tout à l'heure. Il va faire la même, hein, cet enfoiré. Après, je pense pas que c'est moi qui veux tuer, mais il veut en tuer un, ça c'est sûr. Putain, mais c'est fou quoi. Plus c'est incroyable le rythme. On voit que sans setup, c'est clair que la hiérarchie est quand même beaucoup plus serrée. Et des fois, dès que je vois en FR 2.0, des mecs qui mettent une seconde autour. Tu te dis putain, c'est bizarre quoi. Mais là, sans setup, le problème c'est que il n'y a pas d'aspi sur ces voitures. C'est ça qui est vraiment frustrant, c'est qu'il n'y a pas un poil d'aspi. C'est triste. C'est vraiment triste, quoi.
Ah, merci, merci. Peut-être un qui était content qu'il l'a tué. Ah, c'est triste. C'est vraiment triste, quand même, ces mecs-là, quoi. Ah, mais il l'a fait exprès, hein, il l'a fait exprès. Hein. Okay, you're in second. Bon, allez, on va. Maintenant, ça va être chaud d'aller rattraper le mec devant. Ah, c'est triste. Du 3 dixième. Ah, mais je roule dans les mêmes temps parce que j'avais un super lièvre. Là, maintenant que j'ai plus de lièvre, bah, je pense que je vais perdre 2-3 dixièmes au tour. Voire 3-4. Non, Drustan, je l'ai déjà fait. Ah, vous le savez, hein, c'est une course, hein, j'en fais pas plus d'une. Du 4-5 dixième. Ah, pourtant 5. Ouais. En fait, j'ai pas fait un si mauvais tour que ça. Hein. C'est devant, il a un rythme. Je pense que si on va voir ses statistiques devant, je pense pas que c'est la première. Je pense pas. Je pense qu'il y en a déjà bien 4-5 de fait avant. Ouais, mais il l'a tué parce qu'au départ, je pense qu'en fait, le japonais derrière, il en a tué un ou deux, en fait, dès qu'il a fait sa petite glissade. C'est pour ça qu'il s'est vengé, mais... Bah, c'est un peu visible, en fait. Tu vois, c'est un peu... Voilà. Le mec, il l'attend deux fois, et bon... Fais ça proprement, quoi. Ou si tu veux le tuer, tue-le complet, quoi. Ah bah ouais, ça, c'est possible, ça. Ouais, il a un rythme devant, c'est... Ah bah il est encore là, les gars. Alperbal, regardez, il va leur faire, hein. Ah, il va jamais s'arrêter, le mec. Donc il y a Alperbal, là, qui attend, regardez. Il est devant, là, devant le premier, il va l'attendre, il va encore le tuer. Je sais pas ce qu'il essaye de faire, c'est vraiment... C'est vraiment dommage. Eh ouais. Bon, ça se voit. Right side. Clear. Bon, c'est pas nous qui veut tuer, visiblement. Je pense que c'est le japonais, hein, qui veut tuer. Hein. Il veut tuer le japonais.
Il veut se faire du jap. T'as un truc au milieu de ton écran. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Ah bah il l'a tué, regardez, il le bloque. Ouais, c'est... Ah, oui. Ouais, il le bloque. Là, il est en train de le bloquer complet. Il l'empêche de doubler, mais en mode complet de chez complet. En fait, il veut vraiment lui faire... Ouais. Ridicule. Bon, par contre, il n'y a pas d'aspi, ça me dégoûte. Hein. C'est pas normal que derrière, il me rattrape, mais tellement peu, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, Joe. Bon, après, nous, il nous a rien fait, donc bon. Mais c'est dommage, quoi. Ça c'est clair. Bon, ça n'a pas été une course très passionnante, hein, putain. Ouais, patoche. Ça a vraiment pas été passionnant. C'est vraiment dommage que... Bah, il était plus fort que nous devant, hein. Après, bon... Des fois, faut s'avouer, voilà, dès que c'est plus fort que vous, c'est plus fort que vous, hein, ça. Ouais, pas très passionnant. Ouais, Kevin. Voilà, par contre. Je pense que derrière, il est content de sa P3. Voilà, je pense qu'il est content de sa P3 derrière. Il se dit, c'est très bien, plus 74. Devant, c'est le duc d'Edimbourg. Qu'est-ce que je vais aller attaquer, le duc d'Edimbourg? Bon, qui peut ban Kevin Rigg, s'il vous plaît? Il a mis un H à Anto, ban, une semaine. Un mois de ban. Axel. Non, je suis pas fâche. Je pense que c'est un gars qui a commencé il y a pas longtemps et a raison de 4-5 courses par semaine ou par jour dans la même catégorie. C'est une catégorie C, hein. Donc je sais même pas. Ouais, c'est peut-être ça, hein. Je sais pas. Après, on s'en fout, hein. Catégorie B, elle vous apporte. Ouais, après la A, elle vous apporte rien, à part les endus. Il va rester 2 tours, tout à fait. You've got 2 laps to go.
Ouais, pourtant on est dans les chronos, hein, 52-7, on a toujours quasiment été dans les 52. En tout cas, cette F3, elle est fort sympathique. Hein. Un petit peu de dérive à contrôler, mais dans le volant, on le ressent bien. Le seul truc qui est décevant avec ces voitures, c'est que je trouve que, encore une fois, hein, c'est mon avis, c'est que je trouve que l'aspi est trop légère en fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais, c'est que l'aspi, on l'ait à une seconde, quoi. Et qu'on ait vraiment une aspi de dingue à 4-5 dixièmes. Là, à une seconde, t'as rien, quoi. C'est un peu, ouais, un peu dommage. C'est un peu dommage. Slow car ahead. Go left. Bon. En espérant que ce soit pas ça qui nous coûte. Je sais pas s'il y va ou pas, je sais pas. White flag, stay smooth. Bon, il veut pas y aller, hein, définitivement. Après, je peux comprendre sa situation. Hein. Pour la course, bon, c'est un peu nul, mais bon. Le mec, il est 3ème, plus 76 points. Qu'est-ce qu'il va aller prendre le risque? Je suis d'accord avec lui. Donc, finalement, je préfère ce genre de personne. Hein. Ce genre de personne qui joue un peu plus la sécurité, qui joue un peu plus e-rating, que le genre de personne qui tente n'importe quoi pour dire de gagner 10 points de plus et qui réfléchisse aux conséquences après, en fait. Hey, Baker! Il aura eu notre rythme toute la course. Hein. Toute la course, il aura eu notre rythme. Et nous, on aura une course. Bon, bah. Voilà, bon. C'est les Grands Prix de Russie, quoi. Bah, de l'année dernière, hein. Il s'est rien passé, quoi. Nous aurait fallu de la pluie. Ah, bah non! Faut s'appeler Hamilton pour avoir la pluie. Ce mec qui travaille à la météo, le mec. Hein. À chaque fois qu'il a besoin de pluie pour gagner, boum, bah, t'as pluie. C'est incroyable, ça. Car on your left. Still there, hold your line. Clear on the left. Ah. Je sais jamais où elle est la ligne, moi je vais jusqu'à la dernière ligne. Bon bah payé P2, hein, bon. On prend, hein. Oula, oula, calme-toi, calme-toi. On prend, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de grosse bagarre. C'est dommage. Bon, P2, c'est pas mal, hein, je vous dis, hein, il y avait du monde, on était 26, donc pour avoir un gros soft avec 25 voitures, Donc on va aller regarder ce qui s'est passé au départ, tiens. Parce qu'à part le départ, en fait, il n'y a rien à montrer. Hein. En fait, le départ, il n'y a rien, quoi. Il s'est rien passé. Ah, oula, oula, oula. Alors on va regarder le départ ensemble. Bah c'est ça, c'est à peu près ça.
Allez, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Ah, bon. Bon, j'ai pas eu un très bon départ, hein, ça, on est d'accord. Oh, même pas du tout. Là, ici, bon, ça va. C'est là où ça va être... ici, non? Peut-être le virage d'après. Le virage d'après, ça va être chaud. Voilà, là, ça spin un peu. Ouais. Yo. Ah, ouais. Là, on sent que ça s'ouvre. Et là, je vais m'envoler, les gars. Allez, là, je vais m'envoler. Oh, lolo. Ouf. Ah, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé derrière, du coup. C'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, lui, bon, lui, il perd un peu l'arrière. Derrière, ça allait vite. Ah, il se fait. Ah, c'était chaud. Hein. Oh là là. Ah, ouais, le train arrière. Et derrière, bon, il était gentil derrière. Hein. Ouais, du début à la fin, il a jamais tenté quelque chose de débile, entre guillemets. Ouais, bon, bah écoutez. On prend, hein. Bon, on va faire la petite photo, hein. La petite photo, bon bah. Voilà. Alors, je vais pas montrer celle avec l'accident. Ça serait trop. Voilà, ça c'est mieux. Bon, arrêtez, à chaque fois je monte des photos d'accident, on va dire non, mais le mec, il faut qu'il arrête. Il y a des accidents dans cette course. Voilà. Ça c'est mieux. Voilà. Ça c'est mieux. Hop là. Voilà. Pas mal ça. Tac, voilà. Voilà. Attendez, je bouge un peu.